À 25 ans, Alex Thompson remporte la Clipper Race 99 et devient le plus jeune vainqueur d'une course autour du monde. En 2003, Alex bat le record du monde de vitesse en 24 heures et l'améliore en 2007. Il décide alors de se consacrer à la course en solitaire. Mais ses deux premières tentatives de tour du monde se terminent prématurément. Une avarie le pousse à l'abandon dans le Vendée Globe 2004 et sa participation à la Velux 5 Ocean Race 2006 se solde par un sauvetage spectaculaire. À force de persévérance, Alex se place deuxième de la Barcelona World Race en 2008. En 2011, il achète son bateau actuel avec lequel il bat de plus de 24 heures le record de traversée de l'Atlantique d'est en ouest. Ce jeune surdoué est bien déterminé à réaliser son rêve le plus cher, devenir le premier Britannique à remporter cette course de légende.